Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle webconférence Famity. Le thème d'aujourd'hui, c'est la chirurgie cardiaque dans les syndromes de Marfan et apparentés. C'est le professeur Guillaume Jondot qui va présenter ce soir et qui est responsable du centre de référence Marfan à l'hôpital Bichat à Paris et également le coordonnateur de la filière Famity. Je vous laisse la parole du coup. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Vous entendez? Eh bien, c'est bien. Alors, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Ça arrive. C'est bon. C'est bon? Bon, alors bonsoir à tout le monde. Donc, l'idée est de parler de la chirurgie et du syndrome de Marfan. Donc, on va commencer par avant la chirurgie. De façon tout à fait inattendue, on va faire la chirurgie et après, on fera après la chirurgie. Donc, avant la chirurgie, pourquoi parler d'avant la chirurgie? C'est parce qu'on espère que la prise en charge qu'on propose retarde la chirurgie le plus possible. Et vous connaissez les règles qui sont d'éviter les efforts isométriques, les efforts dans lesquels on fait monter la tension, des efforts dans lesquels on fait des efforts très intenses avec des muscles bandés, alors que les efforts d'endurance sont plutôt bien vu et même peuvent éventuellement limiter la dilatation de l'aorte. C'est ce que suggère vaguement le petit schéma sur la droite qui a été obtenu chez des souris où vous voyez ma flèche? Oui, on voit. Vous voyez la différence entre le bleu et le rouge. Le rouge, avec des diamètres qui sont plus petits, c'est des souris qui ont été entraînées. Donc faire de l'endurance, c'est pas contre-indiqué, bien au contraire, mais il faut pas faire de compétition. Et puis le deuxième aspect, c'est les bêta-bloquants. On pourra rentrer dans plus de détails si vous voulez, mais c'est en gros surtout les bêta-bloquants. Et le dernier aspect du traitement, c'est la chirurgie qui va nous occuper ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour se préparer à la chirurgie quand le diamètre ou quand l'heure de la chirurgie est venue? Eh bien, il faut faire en sorte que le risque opératoire soit minimum, d'une part, et que les risques infectieux soient également minimum pour l'intervention, mais aussi pour après. Parce qu'une des complications éventuelles, c'est l'infection de la valve. Donc, pour éviter qu'il y ait des germes qui se promènent dans l'organisme, il faut s'assurer que les dents sont en bon état. Donc, l'une des choses à faire pour se préparer, c'est d'aller voir le stomato et de s'assurer qu'il n'y a pas de problème de carie à traiter ou de choses comme ça. Parce que si vous allez dans les services de chirurgie cardiaque avec des dents en mauvais état, il risque de vous retirer les dents en mauvais état. Après, ensuite, le risque opératoire que vous essayez de diminuer, il va dépendre non pas de la partie de l'aorte qui va être changée, puisque ça va être changé, mais de tout ce qu'il y a autour. Et donc, le risque opératoire est plus important si les gens ont un surpoids important, et plus important si les gens ont des poumons qui ne marchent pas bien, ou des reins qui ne marchent pas bien, ou d'autres problèmes vasculaires. Et il est plus important aussi quand on fait l'intervention dans un contexte d'urgence. Et donc, pour le diminuer, il vaut mieux faire ça à froid, de façon programmée. Donc, si vous êtes en surpoids, il faut le perdre, mais généralement, ce n'est pas beaucoup le cas des syndromes de Marfan. Les problèmes extra-aortiques sont généralement très limités, puisque ce sont des sujets assez jeunes qui sont opérés. Les chirurgiens cardiaques, ils ont habituellement affaire à des gens beaucoup plus âgés, 70-80 ans. Donc là, ce n'est vraiment pas un problème. Et à froid, ça suppose d'avoir été surveillé régulièrement pour pouvoir porter l'indication opératoire à un moment où le diamètre est compatible avec la survenue de très peu d'événements. Vous avez ici la population qui est suivie dans le centre de référence, qu'on avait publié il y a à peu près 10 ans, mais on a refait la même chose plus récemment, qui retrouve des résultats assez similaires. Vous voyez le risque de décès ou de dissection aortique pour 100 ans, et vous voyez en fonction du diamètre maximum de l'aorte. Vous voyez qu'en gros, avant 50 mm, il ne se passe vraiment rien ou pas grand-chose. Et donc, le seuil opératoire, logiquement, est porté à 50 mm. On a refait cette étude-là avec les patients avec une mutation dans le gène de la fibrine, donc une définition plus génétique du syndrome de Marfan. Et on a des résultats qui montrent qu'effectivement, de la même façon, on a une courbe qui n'augmente qu'à partir de 50 mm.
L'autre façon de dire les choses, c'est que si vous êtes suivi de façon régulière et que vous faites les échographies bien comme il faut, et ben, le risque de dissection est quasi nul. Alors, on parle du diamètre de l'aorte. Donc, le diamètre de l'aorte, c'est quelque chose qui est compliqué. C'est compliqué parce que l'aorte a une forme qui n'est pas juste un tube. Vous avez ici, sur la partie gauche, un scanner où vous voyez une partie initiale de l'aorte que je vous montre là, avec quelque chose qui est dessiné en noir un peu clair, un petit trait qui correspond à la valve aortique. Et vous avez la même chose de l'autre côté. Et puis, vous avez l'aorte qui est là. Hein. L'aorte étant le tuyau qui permet l'éjection du sang à partir du cœur. Et le cœur, c'est ce muscle-là, vers l'ensemble de l'organisme. Donc, la partie initiale est un peu plus grosse sur les sinus de Valsalva. Et pour éviter que le sang revienne dans le cœur quand il est dans l'aorte, il y a des valves qui sont des valves aortiques. Donc, le diamètre qu'on va mesurer, il va être le diamètre maximum et il est généralement situé ici, au niveau des sinus de Valsalva. Et si on prend une coupe perpendiculaire, vous voyez que les choses se compliquent encore puisque ce n'est pas rond. Il y a habituellement trois cusps. Et donc, on va pouvoir avoir différentes façons de mesurer les diamètres qui vont donner des résultats un peu différents. Généralement, ce qu'on prend, c'est le diamètre rouge, qui est le plus grand diamètre qu'on trouve. Et la forme de l'aorte, vous voyez qu'elle est dilatée souvent dans sa partie initiale, c'est ce que représente cette image 3D, avec les vaisseaux du cou qui partent ici. Donc ça, c'est le scanner. L'IRM est un peu moins précise, et généralement, on fait des scanners en préopératoire. Et les indications opératoires, donc on a déjà dit plus ou moins, c'est 50 mm, quand le diamètre maximum est de 50 mm. Et ça peut baisser quand on a des facteurs qui laissent penser qu'il y a un surrisque ou qu'il y a une autre indication, par exemple s'il y a une fuite aortique ou mitrale de la valve aortique ou mitrale importante. S'il y a une hypertension non contrôlée, ça, ce n'est pas tellement majeur. Surtout on a l'impression que le diamètre de l'aorte augmente, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose au niveau de la racine aortique. Et donc, il y a une augmentation du diamètre qui est de plus de 3 mm en moins d'un an, parce que vous avez vu les difficultés pour mesurer le diamètre. Et donc, pour qu'on soit sûr que ça soit dilaté, il faut qu'on prenne une marge de sécurité. Et celle qu'on prend habituellement est de 3 mm. Il faut que ce soit plus de 3 mm pour que ce soit significatif. Et enfin, on considère que la grossesse, la pregnancy avec AN, est un facteur de risque de dissection et donc on peut opérer plus tôt à 45 mm quand des femmes désirent avoir des enfants. Vous avez à gauche une aorte. Voilà, ça ressemble à ça. Alors, ça va se dilater au cours du temps et donc le combien ça va se dilater? Eh bien, ça se dilate de façon différente d'une personne à l'autre. Vous avez là aussi une étude qu'on avait faite où on avait regardé la vitesse de dilatation par an chez des patients qui avaient deux échographies à 3 ans d'intervalle, donc on pouvait surveiller et dire pas trop de bêtises, et vous voyez que le diamètre est à 0,5 mm à peu près, la moyenne est à 0,5 mm à peu près, mais il y en a qui ne vont pas se dilater, et il y en a qui vont se dilater plus vite. Donc c'est pour ça qu'il faut surveiller chacun et qu'il est difficile de faire des pronostics sur quand est-ce qu'il va falloir se faire opérer et est-ce qu'il va falloir se faire opérer. Je ne vous ai pas mis de diapositive là-dessus, mais j'aurais peut-être dû. Tout le monde ne se fait pas opérer du tout. Il y a en gros 30% des personnes qui, quand ils ont atteint 70 ou 75 ans, ne se sont pas fait opérer et ne se feront jamais opérer. Donc, ce n'est pas une absolue nécessité de se faire opérer au cours de la vie. Alors, en dehors de la dilatation de l'aorte qu'on a vu, la deuxième raison pour laquelle on peut se faire opérer, c'est pour la fuite de la valve mitrale. Donc, le sang arrive dans l'oreillette gauche et puis va dans le ventricule gauche et va repartir dans l'aorte, sur ce schéma-là. Et donc, les oreillettes gauches, vous voyez, c'est ça, avec les veines pulmonaires qui arrivent là. Et entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche, il y a aussi une valve, comme dans la racine aortique, pour éviter que, une fois que c'est arrivé jusque-là, ça reparte en arrière. Cette valve, elle s'appelle la valve mitrale parce qu'elle a une forme de mitre, comme la mitre des évêques, hein, le chapeau qu'ils ont. Et donc, elle est retenue par des cordages, et quand les cordages lâchent, la valve peut ne plus être étanche puisqu'elle peut repartir en arrière. Et donc, ça peut être une raison pour opérer les gens, mais c'est une raison assez rare. Dans la population qu'on suit, c'est 3% de la population, donc c'est assez rare. Voilà.
Hop là, je passe sur ça. Si je veux bien. Voilà, donc ça, c'était avant la chirurgie. Donc, on a posé l'indication opératoire, on s'est préparé. Et donc, maintenant, la chirurgie arrive. Qu'est-ce qu'on va faire comme chirurgie? Alors, on va voir les différentes techniques opératoires avec des petits schémas. Et puis, on verra la suite. Alors, première technique, c'est le tube suscoronaire. D'abord, pour vous passer un petit peu le paysage, vous avez un cœur qui est vu de face, là, avec la veine cave supérieure qui descend donc, qui draine le sang des bras et de la tête, qui va se jeter dans l'oreillette droite. Et l'oreillette droite reçoit aussi une veine, qui est la veine cave inférieure, qui va drainer le sang de la partie inférieure du corps. Et donc, cette oreillette droite est là, et puis ici, vous avez le ventricule droit, et derrière, vous avez le ventricule gauche, et vous voyez partir du ventricule gauche, mais il est caché un peu par le ventricule droit. Ici, il y a la sac pulmonaire, l'aorte, qui est ce tuyau qui monte et qui va aller ensuite dans le dos, après avoir donné les vaisseaux du cou, et en ayant donné les artères coronaires qui vascularisent le cœur. Donc, la première technique chirurgicale, ça consiste à couper au-dessus du sinus coronaire, au-dessus des artères coronaires, et donc de remplacer un tuyau, simplement un tuyau. C'est plus simple, on n'a pas besoin de s'occuper de la valve, etc., qu'on va voir être un problème, ni de réimplanter les artères coronaires, qui peuvent être aussi source de difficultés. Donc, l'intervention la plus simple, c'est le tube suscoronaire, et on peut remplacer l'aorte ascendante et éventuellement compléter ça par l'arche aortique ou une demi-arche. Il y a différentes variations. Et donc, vous vous retrouvez avec ce qu'il y a sur la partie droite où vous voyez que l'aorte est remplacée par un tube en dacron. Voilà. Donc ça, c'est très bien, c'est très simple, mais chez les gens qui ont un certain nombre de marfans, c'est une très mauvaise idée parce que ça laisse en place la partie initiale de l'aorte qui est le sinus de Valsalva, qui est la partie qui se dilate le plus. Donc là, c'est pour ça, sur ce schéma, il y a marqué valve normale aortique route. Donc, on ne fait pas ça. On fait autre chose. On fait le remplacement de l'aorte ascendante, toujours, avec ce tube en dacron, mais on va remplacer aussi les sinus de Valsalva. Donc, comme on remplace les sinus de Valsalva, il va falloir réimplanter les artères coronaires qui naissent dans les sinus de Valsalva. Et on va remplacer aussi la valve aortique. Et donc là, vous avez une intervention avec une valve mécanique. On va voir ce que c'est tout au long d'une minute. Avec donc la valve mécanique, le tube en dacron et la réimplantation des coronaires, l'intervention de Bental. Bental, je n'ai pas mis de photo, mais c'est un monsieur, Sir Bental. Et il a fait la première chirurgie en 1968. La révolution en mai 68, c'est grâce à lui qui a fait le premier Bental. Et l'histoire veut qu'à la fin de sa vie, il a fait un anévrisme ou une dissection, je ne sais plus, et qu'il a eu une intervention de Bental. Donc, voilà, il s'est servi lui-même de sa découverte ou de ses progrès technologiques. Donc, ça, c'est l'intervention de Bental qui est la plus classique, mais qui a l'inconvénient de mettre une valve. Là. Alors, les valves, on pourrait faire rien que sur les valves, quelque chose de très compliqué. Il y en a de toutes les sortes. Les premières sont celles qui sont marquées A, qui est la valve de Star, qui avait une bille dans une cage, qui montait, qui descendait. Ensuite, il y a eu les monostruts avec un seul disque, là, qui peut se promener et qui tiennent d'une façon ou d'une autre à l'intérieur d'un anneau. Et le plus, maintenant, les plus fréquemment mises sont celles-là, les valves dites double ailettes, qui peuvent monter ou s'ouvrir et se fermer. Les petites ailettes deviennent horizontales et ça occlut. Et ça marche très bien, ça fait très peu d'obstacles. Et le risque de ces valves mécaniques, c'est qu'il y a un caillot de sang qui se forme, notamment s'il y a des zones qui ne sont pas bien lavées, et donc des endroits où le sang stagne. Et avec ces valves-là, c'est quelque chose qui est très rare. Et donc, les INR qu'on obtient ou qu'on demande avec les valves mécaniques aortiques sont vraiment 2, 5, voire 3, c'est-à-dire assez bas. On reviendra sur l'INR dans la discussion si vous le souhaitez. Deuxième type de valve, les bioprothèses. Alors, celles-là, elles ont l'avantage par rapport aux précédentes de ne pas nécessiter traitement anticoagulant parce qu'elles ne favorisent pas la formation du caillot de sang. Alors que dans les précédentes, il y a des caillots de sang qui risquent de se former, donc on met un traitement anticoagulant au long cours. Donc là, pas de traitement anticoagulant. Donc, elles ont un avantage, elles ont un inconvénient, c'est que c'est du tissu qui va s'user. C'est du péricarde de porc et donc
c'est quelque chose qui est traité, mais qui va finir par s'user, qui va devenir plus épais, qui va se calcifier, qui va s'ouvrir plus difficilement, qui risque de se déchirer sur la fin. Et généralement, au bout de 10 ans, 15 ans, quelquefois un peu plus, quelquefois un peu moins, il faut remplacer la valve. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on doit la remplacer plus tôt ou plus tard? Eh bien, quand les gens sont jeunes, la valve s'abîme plus vite. Donc, c'est généralement des valves qu'on propose aux gens qui ont un certain âge. Alors, le certain âge dépend beaucoup de la personne qui parle, mais c'est en gros 65 ans. Au-dessus de 65 ans, on considère maintenant qu'une bioprothèse est raisonnable. En dessous, on discute de la valve mécanique plus volontiers. Voilà. Alors, on verra les façons de faire en sorte que s'il faut remplacer la valve, on peut ne pas faire de chirurgie, mais on verra ça sur la fin. Donc, bioprothèse, valve mécanique, les deux types de valves qu'on peut mettre pour remplacer la valve native, qui est... Ah ben voilà, pardon, j'ai mis mon petit schéma ici. Autre type d'autre façon de mettre une bioprothèse, c'est par une autre technique dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le TAVI, Trans-Aortic Valve Insertion, donc insertion à travers la valve aortique, qui consiste à prendre un cathéter, ici vous avez l'aorte que vous commencez à bien connaître maintenant, on arrive par en bas, on monte, on arrive à la crosse de l'aorte, on descend sur la partie initiale de l'aorte, et on a un ballon autour duquel il y a une valve, et ce ballon, on le gonfle, et ça expand la valve, et ça permet de mettre en place une valve, une bioprothèse, donc une valve qui était souple, qui, voilà, sans avoir à opérer. C'est quelque chose qui a été développé initialement pour les gens qui avaient des rétrécissements aortiques tout calcifiés, mais qu'on commence à mettre maintenant chez des gens qui ont été opérés une première fois avec une bioprothèse. Et dans ce cadre-là, on a un anneau qui est solide, hein, qui est l'anneau qui est ici, sur lequel on peut appuyer la valve qu'on va expandre. Et donc, ça peut permettre de, quand la bioprothèse est dégénérée, faire un remplacement de bioprothèse par cette technique-là. Donc, ça se fait, ce n'est pas encore tout à fait courant, mais ça se fait de plus en plus et c'est probablement l'avenir pour le remplacement des bioprothèses. Mais ça pose quand même le problème que quand vous avez 20 ans, deux fois 10 ans, ça fait 20 ans, et 20 ans plus 20 ans, ça fait 40 ans, et à 40 ans, ça commence à devenir compliqué, il faut remplacer la valve. Donc, c'est quelque chose, des bioprothèses qu'on peut mettre chez les jeunes, pour les femmes qui veulent avoir des enfants, on en reparlera éventuellement après. Et donc, maintenant, l'intervention qu'on fait de plus en plus, c'est la valve. On essaye de la garder, donc valve sparing, on garde la valve et on remplace juste l'aorte ascendante et on réimplante les coronaires. Et donc, vous voyez, la valve aortique est en place. Alors ça, il y a différentes façons de faire. Là, vous voyez, vous voyez ici une façon de... Voilà, c'est un chirurgien, Emmanuel Lansac, qui m'a prêté cette visio. Et donc, vous voyez ici que le petit tube est mis et vous voyez qu'il est cousu là. Et en fait, là, je vous montre le schéma de gauche où vous avez des espèces de pétales qui sont faits à partir du tube en acron que vous avez vu découper initialement et qui vont être cousus de façon très précise tout du long. Voilà, je vais arrêter ce truc-là. Hop là, si j'y arrive. Voilà. Et donc, il faut... Bon, après, il y a des techniques opératoires, mais vous voyez que c'est une suture tout du long qui va permettre de restaurer une espèce de racine aortique. Alors, c'est Yacoub, qui est à droite, qui a fait ça, qui est un Anglais, d'origine égyptienne, et qui a donc fait l'intervention de Yacoub, qui est celle que vous venez de voir. Et puis, il y a un défaut à cette intervention, c'est que la partie basse de l'aorte n'est pas bien tenue, et donc le risque, c'est que les feuillets s'ouvrent, que ça s'ouvre un petit peu, et donc à ce moment-là, ça peut se mettre à fuir, parce que les valves aortiques sont plus bien alignées. Donc, il y a un dénommé Tyrone David, qui lui est un Canadien, qui a modifié ça et qui a proposé de mettre un tube autour de la valve native pour que ça puisse plus dilater. Donc, on n'a plus la petite anévrisme ici ou les sinus de Valsalva, si vous voulez, mais on a une valve qui est tenue par le tube qui est mis autour de la valve. Alors maintenant, ils ont des formes adaptées avec des sinus de Valsalva, ce qui fait que c'est encore plus physiologique, mais l'idée, c'est qu'on fait maintenant beaucoup des Tyrone Davy et peu des Yacoub. Alors, après, il y a un autre concept qui a été amené par Emmanuel Lansac, dont certains ont dû entendre parler déjà, qui est qu'on fait
le Yacoub, mais comme la faiblesse du Yacoub, c'est que ça se dilate en bas, on ajoute un anneau en dessous pour éviter que ça se dilate. Et donc ça, c'est l'intervention de Yacoub modifiée dans sac avec un anneau pour éviter que ça se dilate. Voilà. Donc ça, c'est les interventions où on remplace la rate ascendante et où on essaie de conserver la valve. Et la plus répandue est celle de Tyron David, dont il existe différents modèles, mais on ne va pas rentrer dedans. Mais en gros, l'idée, c'est que l'anneau est tenu. Et puis, il y a quelque chose dont je vous parle juste, mais qui ne se fait pas en France, qui est le PERS. Alors, le PERS, c'est un concept complètement différent, qui est de mettre quelque chose autour de l'aorte pour empêcher qu'elle se dilate et qu'elle se rompe. Donc, c'est quelque chose qui est fait avant que l'aorte soit trop dilatée, chez des gens qui ont une aorte dont c'est fragile, par exemple un syndrome de Marfan, et qui a pour but de faire que l'aorte ne va pas se dilater. Donc, c'est fait à partir d'une reconstruction 3D de la racine aortique qui a été faite sur un scanner, sur une IRM. Donc, on fait un moule qui est spécifique du patient, et ce moule-là, on va le mettre autour de l'aorte en réimplantant les artères coronaires. Alors, ce n'est pas tout à fait sans risque, parce que il y a des artères coronaires à réimplanter, qu'il faut aller très bas pour disséquer, semble-t-il. Et donc, c'est pour ça que ça ne se fait pas en France. Si les gens sont un peu réticents à se lancer là-dedans. Mais bon, on pourra en parler. C'est quelque chose pour lequel on a une expérience limitée dans le monde. Ça a été développé par les Anglais à Londres. Et ça se fait un petit peu en Néerlande. Donc ça, c'est l'intervention chirurgicale. Après, on a été opéré, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut compter 3 à 6 mois pour devenir complètement comme avant. En fait, on reste 3 jours en réanimation cardiaque. Le lendemain de l'intervention chirurgicale, généralement, on est assis sur la chaise à côté, donc on n'est pas forcément très confortable, mais on est complètement là. Voilà. Le troisième jour, on sort de réa, on va en chirurgie cardiaque, on y reste une petite semaine, et puis après, on va 10 jours, 15 jours en réadaptation. Et généralement, les gens trouvent ça long parce qu'ils trouvent qu'il n'y a que des gens âgés qui sont avec eux et que ça leur va. Mais ça permet de les surveiller un petit peu pour le cas où il y a des petites complications qui nécessitent une intervention chirurgicale complémentaire qui généralement n'est pas grand-chose, qui est le drainage du péricarde. Je vous expliquerai ça si vous le souhaitez. Bon, donc en gros, il faut passer cette période-là, puis après, il faut se remettre de cette intervention, reprendre confiance en soi, se remuscler un peu puisqu'on a perdu des muscles qu'on n'a pas beaucoup bougé pendant toute cette période. Donc, il faut manger et faire de l'exercice. En gros, ça, c'est le boulot du patient après qu'il ait été opéré. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme surveillance une fois qu'on a été opéré? Alors, la surveillance, c'est une échographie en cas d'anévrisme. Donc, on a dit qu'on opérait pour un anévrisme. Là, c'est ce qu'on a développé. L'échographie post-opératoire, on fait un scanner de référence à 6 mois. Pour être sûr d'avoir une image complète de référence et que si jamais on a un doute sur quelque chose, on puisse aller retrouver ce que c'était après la chirurgie. On attend 6 mois parce que dans les 6 premiers mois, il y a des réactions inflammatoires autour du tube qui font qu'il y a un peu de liquide et que c'est bien difficile de faire la part des choses quand on n'a pas attendu que ce phénomène-là soit terminé. Et puis ensuite, eh ben, on fait une échographie annuelle et puis voilà, et ça va. Quand on a une dissection, les choses sont un peu différentes. On y reviendra plus tard, éventuellement, on fait des scanners ou des IRM, mais plutôt des scanners pour s'assurer que la partie qui est disséquée et qui n'a pas été remplacée, si c'est le cas, ne se dilate pas. Il y a deux, le problème des anticoagulants. Donc, le problème des anticoagulants, c'est surtout quand on a des valves mécaniques. Et donc, quand on n'a pas de valves mécaniques, on n'a pas d'anticoagulants, sauf si on a une arythmie. Mais c'est pour une autre raison et ce n'est pas les mêmes anticoagulants. Et à ce moment-là, pour les valves mécaniques, donc on prend varfarine maintenant de plus en plus, c'est-à-dire de la coumadine. On prend moins en moins Préviscan et Sintron parce qu'il a une demi-vie plus longue et qu'il est plus stable. On n'utilise pas les nouveaux anticoagulants qui ont été développés parce que ça ne marche pas sur les valves mécaniques. Et on a des INR. Alors, l'INR, c'est International Normalized Ratio. Donc, c'est le rapport du temps que met à coaguler le sang du patient par rapport à quelqu'un qui n'a pas d'anticoagulant. Donc, un INR à 2, c'est il faut 2 fois plus de temps pour coaguler. Un INR à 3, il faut 3 fois plus de temps, etc. Donc, plus le INR est élevé, plus on est anticoagulé. Et pour les valves aortiques, je vous ai dit 2, 2, 5. Et pour les valves mitrales,
de 5-3-5, puisque la vitesse du sang dans la valve mitrale est moins rapide, la valve est plus grande, il y a plus de risques de coagulation qui se font, et donc on a un INR plus élevé. Et maintenant, le grand progrès, c'est le CoaguCheck, c'est-à-dire que c'est des patients qui eux-mêmes surveillent leur anticoagulation en se faisant une piqûre au bout du doigt, en mettant une bandelette, et puis de temps en temps, on vérifie auprès du laboratoire que la mesure est fiable. Ça permet d'en faire autant qu'on veut, de se prendre en main, et ça montre que ça, vraiment, améliore la compliance au traitement. Et puis, quand on a une valve mécanique, il faut faire des soins dentaires sous antivitamine K, et ça, c'est quelquefois un peu compliqué. Mais maintenant, de plus en plus, on les fait sous antivitamine K. On n'arrête pas les anticoagulants pour passer sous un autre qui se fait en piqûre, etc. On laisse les mêmes, mais on baisse un tout petit peu les doses éventuellement. On fait le traitement, les soins dentaires, et on continue. Troisième problème, ou troisième question. On regarde le temps, 28, c'est bon. La grossesse après la chirurgie. Donc, les gens se font opérer, et je vous ai dit, on considère que la grossesse fait partie des périodes à risque, et donc on peut être amené à opérer des femmes qui veulent avoir des enfants sur la racine aortique à 45 mm. Donc, voilà. Que se passe-t-il une fois qu'elle a été opérée? Alors, on espère qu'on a été capable de conserver sa valve, et si on n'a pas été capable de conserver sa valve, on met généralement une bioprothèse, parce que de faire des grossesses avec un valve mécanique, c'est très risqué. Ce n'est pas impossible, mais c'est très risqué. Parce que les AVK, les antivitamines K, les anticoagulants sont tératogènes. Et puis parce qu'au cours de la grossesse, il y a des modifications de nombreuses protéines et que les anticoagulants vont se fixer sur les protéines, ce qui fait que la partie qui n'est pas fixée et qui est active va varier. Et donc, le traitement anticoagulant est instable. Et donc, voilà, c'est difficile à gérer, ça donne des complications. Donc, voilà, on évite de se mettre dans cette situation difficile, et si on sait que quelqu'un se fait opérer de l'aorte et qu'on n'arrive pas à conserver la valve, on met une bioprothèse si c'est pour avoir des enfants. Le risque de dissection de l'aorte n'est pas changé, c'est-à-dire, ce n'est pas tout à fait vrai, le risque de la dissection de l'aorte, il est changé, autrement on n'opérerait pas les gens, mais il n'est pas complètement normalisé parce que c'est l'ensemble de l'aorte qui est fragilisé dans le syndrome de Marfan. Et vous avez vu que ce qui a été remplacé, c'est l'aorte ascendante. Donc, il reste la crosse et l'aorte descendante. Donc, de ce fait-là, il faut laisser un traitement anticoagulant, un traitement bêta-bloquant, qui est le traitement préventif de la dissection qu'on a vu avant la chirurgie. Et puis, il faut se faire suivre dans un centre expert. Vous le savez. Le risque de dissection, ce n'est plus la dissection de l'aorte ascendante, c'est le risque de la dissection de l'aorte descendante, puisque l'aorte ascendante a été remplacée. Quand on a des doutes sur le diamètre, on fait un scanner pré-grossesse, hein, pas pendant la grossesse, parce que vous savez que les rayons, ce n'est pas bon pour le fœtus. Donc, si on fait un scanner, il faut que les femmes ne soient pas enceintes. On fait une consultation préconceptionnelle, parce qu'il peut y avoir des tas de choses. Enfin, vous connaissez les diagnostics préimplantatoires, diagnostics prénatales, etc. On ne va pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Et puis, il y a certains médicaments qui sont contre-indiqués, notamment les losartans et les artans qui sont donnés par certains. Pour les syndromes de Marfan, c'est absolument contre-indiqué au cours de la grossesse. Donc, il faut vraiment aller voir son docteur si on a envie d'avoir un enfant. Et la grossesse, ce n'est pas possible si on a une dissection aortique. On pense que c'est trop risqué. Alors, la grossesse après la chirurgie, donc l'accouchement a lieu dans un centre de référence. Et là, vous aviez sur le site du centre de référence les différents endroits où il y a des maternités avec des obstétriciens qui sont en liaison avec les cardiologues et qui vous permettent d'avoir des grossesses suivies dans des bonnes conditions. Il y a Paris, puisque je suis à Paris, maternité de Bichat, et vous avez le nom du médecin qui y est, mais il y a aussi d'autres villes dans lesquelles on en parle. Voilà, vous avez ça sur le site du centre de référence pour le syndrome de Marfan et apparenté, et peut-être sur celui de la filière également, je ne sais plus. Il y a des centres de référence et de compétences, mais il n'y a pas les maternités associées sur le site de la filière. On va peut-être mettre ça. Peut l'ajouter. Voilà, donc on a fait la grossesse après la chirurgie, le sport après la chirurgie. Comment est-ce qu'on fait? Alors, le sport préopératoire égale postopératoire. Donc, c'est la même chose. On veut éviter les à-coups de tension, etc., pour protéger l'aorte descendante et qui n'a pas été remplacée.
Et donc, le risque, c'est l'élévation de la pression artérielle. La pression artérielle, c'est la pression qu'il y a à l'intérieur de l'aorte. Donc, il va avoir tendance à dilater l'aorte et la fragiliser. Mais par contre, il y a un risque, mais il y a un bénéfice, je vous ai dit. L'entraînement physique, alors vous le savez déjà, c'est bien de faire de l'entraînement physique chez tout le monde, mais chez les marfans aussi, avec des indications que peut-être ça limite la dilatation de l'aorte dans le temps. C'est vrai chez la souris, ce n'est pas encore démontré chez l'homme. Alors là, c'est juste pour vous illustrer les deux types d'efforts, l'effort dynamique versus statique. Et donc le petit truc s'est déplacé, c'est dynamique ici et statique là. Donc statique, vous voyez ce que c'est? C'est l'haltérophile qui va lever son poids, et l'haltérophile, il a des résistances périphériques, c'est-à-dire des vaisseaux qui ne vont pas se dilater. Il va avoir toujours les mêmes résistances, alors que quand il va falloir qu'il augmente son débit, ben, la pression va monter beaucoup. Puisque les vaisseaux ne peuvent pas se dilater, ils sont comprimés par le muscle. Alors que les gens qui font des efforts d'endurance, que ce soit le vélo, la course à pied, la natation, ils ont des vélos qui se, ils ont des artères qui se dilatent, et donc le sang est éjecté dans des artères qui sont dilatées et la pression change peu. Donc c'est pas stressant, c'est beaucoup moins stressant pour l'aorte que de faire de l'endurance, que de faire de l'isométrique, de faire du dynamique, que de faire du statique. Et c'est bien plus bénéfique pour l'ensemble, c'est ce que vous appelez le cardio dans les salles de sport, quoi. C'est ça qu'on fait, c'est de l'endurance. Ça, c'est pas très bon. Donc, c'est vrai, voilà, je vous ai remis la petite image là, avec le fait que peut-être la dilatation de l'aorte est moins importante quand on entraîne des souris. Et donc, vous avez des tas d'effets bénéfiques chez tout le monde de faire du sport, et peut-être encore plus chez les marfans. Donc, on est sorti de l'image selon laquelle, quand on a une paroi aortique fragile, il ne faut pas faire d'effort. On peut en faire, il ne faut pas faire de compétition, et il ne faut pas faire de l'isométrique, mais il faut faire de l'endurance. Et c'est très bien. Sport après chirurgie, on a fait. On arrive à prophylaxie d'endocardite. Et prophylaxie d'endocardite, c'est quoi? L'endocardite, c'est l'infection de l'endocarde. Et l'endocarde, c'est de l'intérieur du cœur, c'est-à-dire l'infection de la valve. Donc, si une valve s'infecte, là, ce n'est pas bon. Donc, le traitement, c'est la prévention. Et la prévention de l'endocardite, c'est les antibiotiques avant les soins dentaires, à risque. Donc, il faut demander à votre dentiste. Et donc, ça se fait chez les gens qui ont des valves prothétiques, ou une réparation de valve avec du matériel, donc ceux qui ont été opérés, en gros, pour faire simple, ou chez les gens qui ont déjà fait une endocardite. Mais ça ne se fait plus maintenant, la prévention d'endocardite, chez les gens qui ont un prolapsus valvulaire mitral avec une fuite. Il n'y a pas de raison de faire d'endocardite et de faire de prévention. Voilà. Et sinon, voilà, antibiotiques avant soins dentaires, voilà, pas d'antibioprophylaxie, pas d'antibiotiques, si valvulopathie seule, bicuspidie, prolapsus valvulaire mitral. Je le mets deux fois parce que c'est une évolution des recommandations et que c'est comme toujours dans les évolutions, ça prend un certain temps avant que ça passe dans les pratiques. Et il ne faut pas continuer à faire ce qui n'est plus nécessaire parce que prendre des antibiotiques, ce n'est pas forcément anodin non plus. Dernier chapitre, la réintervention. Alors, deuxième chirurgie, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on pourrait faire une deuxième chirurgie? Première cause, il y a la valve qui ne marche plus. Alors pourquoi? On a vu les histoires de bioprothèses qui risquent d'être dégénérées après 10-15 ans. Et donc, on a vu cette façon de faire avec le cathéter qu'on met dans l'aorte ascendante et dans la valve aortique qu'on gonfle avec une bioprothèse autour qui va rester en place et qui évite une deuxième chirurgie. Donc, c'est quelque chose qu'on peut proposer pour les gens qui ont été opérés avec une bioprothèse. Alors, il faut certains critères, il faut qu'elle soit assez grosse pour qu'il reste assez de place pour que la valve soit suffisante à l'intérieur de l'autre, en quelque sorte. Donc, maintenant, on fait attention à ça quand on opère les gens et qu'on met des bioprothèses. Mais donc, c'est quelque chose qui se développe. Et donc, ça, elle peut être nécessaire, on l'a dit, 10-15 ans après une bioprothèse, plus tôt chez les jeunes que chez les sujets âgés. Et le deuxième cas où on peut être obligé d'opérer parce que la valve dysfonctionne, c'est quand la valve aortique est mécanique. Il y a des caillots qui arrivent à se faire et c'est généralement parce que l'anticoagulation n'est pas bonne et que les gens n'ont pas bien régulé leur dose d'antivitamine K avec l'INR. Maintenant qu'il y a le système CoAgucheck, c'est quelque chose qui est moins fréquent. Et il y a aussi, quand on a des difficultés à équilibrer son traitement anticoagulant, des structures qui existent, par exemple à l'hôpital de la Rivoisière à Paris,
Il y a des structures qui sont là pour aider les gens à gérer leur traitement anticoagulant. Deuxième raison pour laquelle on peut se faire réopérer, c'est si la valve s'infecte et qu'on n'arrive pas, avec le traitement médical, à contrôler les choses, ce qui est difficile quand il y a une valve mécanique ou quand il y a une bioprothèse, enfin quand il y a du tissu étranger. Généralement, ce n'est pas vascularisé, donc les antibiotiques ne sont pas apportés jusqu'à l'endroit qui est infecté, et donc c'est difficile de s'en débarrasser sans retirer la valve et la remplacer par une autre. Donc ça peut être une raison pour une deuxième intervention. Et la troisième raison que je vous ai mise ici, c'est parce qu'on a été opéré pour une dissection aortique. Et la dissection aortique, un mot, c'est quelque chose qui va dissocier la paroi dans le sens de l'épaisseur. Et donc l'épaisseur qui reste ici, elle est deux fois moindre que l'épaisseur qu'il y a là, puisqu'il y a la moitié de l'épaisseur qui se retrouve au milieu. Donc cette partie-là qui a été disséquée et qui a été fragilisée, elle va avoir tendance à se dilater dans le temps. Et donc, il va y avoir le risque d'une dilatation trop importante, et donc à la fin d'une rupture. Et donc, ça suppose de surveiller régulièrement l'aorte. Alors, une fois qu'on a surveillé l'aorte, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a deux types de chirurgie. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on peut soit remplacer le segment qui est dilaté, fragilisé souvent par une dissection. Donc, c'est avec la chirurgie dite à ciel ouvert. On met un tube en Dacron, voilà. Il peut y avoir des branches qui partent, qu'on rebranche ou qu'on ne rebranche pas suivant l'endroit où on est. Soit on développe de plus en plus des stents, qui sont des espèces de tubes en Dacron avec des structures qui les maintiennent en place et qu'on peut mettre dans l'endroit. Alors, il faut l'accrocher à un endroit qui n'est pas dilaté et à un autre endroit qui n'est pas dilaté. Donc, il y a des contraintes techniques. C'est une sécurité qui est probablement moins grande que la chirurgie à ciel ouvert, mais c'est moins lourd puisqu'il n'y a pas besoin d'ouvrir. Et c'est quelque chose donc qu'il faut discuter au cas par cas. On ne peut pas donner de règles générales là-dessus, mais c'est quelque chose qui se développe. Les autres raisons pour la chirurgie, la valve mitrale, on n'en a pas parlé, mais si elle se met à fuir, on peut être obligé. Et puis, le fait d'avoir un certain nombre de marfans ou une pathologie aortique, ça ne protège pas des autres maladies. On peut avoir des problèmes coronariens si on fume, on a le cholestérol, on est trop gros, etc., etc. Et puis, les autres raisons rares. Voilà. Donc, une fois, mais là, je vous ai dit toutes les complications. Mais en gros, la vie après la chirurgie, le plus souvent, c'est monotone sur le plan médical, c'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose. On surveille, on s'assure que tout va bien dans les 6 premiers mois, et puis après, on surveille. Mais on surveille en faisant, on dit bonjour à son docteur qu'on aime bien, et puis on fait une échographie éventuellement, et puis voilà quoi. Et puis ça se passe bien. Donc, généralement, la vie après la chirurgie est monotone. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Comment fait-on pour la suite? J'arrête mon partage ou je vous laisse mon partage? Vous préférez. Vous pouvez l'enlever si je peux rien enlever. Merci pour cette présentation. On a reçu quelques questions déjà. La première, c'est est-ce qu'il existe des études, vous en avez déjà un peu parlé, mais est-ce qu'il existe des études chez l'homme sur la limitation de la dilatation aortique grâce au sport d'endurance? Il n'y a pas d'études qui soient sorties et qui montrent clairement que ça limite la dilatation de l'aorte chez les gens. C'est-à-dire que pour démontrer ça chez les hommes, il faut faire une étude dans laquelle vous tirez au sort les patients. La moitié vont faire les preuves d'effort, vont faire l'entraînement physique, la moitié ne vont pas le faire. Vous attendez un petit peu parce que quand même, ça ne se dilate pas si vite que ça. Et au bout de 2-3 ans, vous comparez les deux groupes et vous regardez s'il y en a qui sont plus dilatés que d'autres. Donc, vous voyez, ce n'est pas d'une simplicité absolue à faire. Non, il n'y a pas d'études qui montrent que le fait de faire des efforts de façon régulière est quelque chose qui permet la dilatation de l'aorte. Il y a des études qui sont faites pour montrer qu'il y a un bénéfice à faire de l'effort physique qui peut être sur l'aorte, mais qui peut être aussi sur autre chose. Les gens qui ont un syndrome de Marfan, souvent, on leur dit de ne pas faire de sport, ils ne sont pas confortables, etc. Et donc, ils ne font pas de sport. Et donc, ils sont déconditionnés. Et le fait d'être déconditionné, quand on a, par exemple, une scoliose, ce n'est pas bon, parce que ça aggrave les douleurs. Donc, il y a des études qui sont en cours pour montrer que le fait de faire du sport permet d'améliorer la qualité de vie. Et il y a notamment une étude qui a lieu à Bichat
avec, sur ce sujet-là, où les gens sont tirés au sort, là aussi, mais pour montrer, on ira, peut-être qu'on montrera quelque chose sur le diamètre de la horte, mais il ne faut pas trop rêver. On montrera, par contre, probablement quelque chose sur le fait de faire des entraînements physiques, ça améliore la tolérance fonctionnelle, ça permet de faire plus d'efforts et d'être plus confortable et de le faire plus simplement et de se sentir mieux. On a reçu une autre question sur la technique de type Pierce pour savoir si elle permettrait de résoudre le problème de pression exercée sur l'aorte descendante après les opérations de l'aorte ascendante. Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait une pression sur l'aorte descendante quand on a opéré l'aorte ascendante? Je ne sais pas très bien. La personne précise que cette pression étant susceptible d'être la cause dans certains cas des dissections de type B dans Marfan. Alors, ça m'a l'air d'être une question très précise, donc il y a peut-être une arrière-pensée là-dessus. Mais voilà, donc alors on peut répondre de façon là aussi très différente, plus ou moins simple. Mais d'abord, un, ce n'est pas parce qu'on remplace l'aorte ascendante qu'on modifie le régime de pression dans l'aorte descendante. La seule chose qu'on remplace, c'est un tuyau, et donc effectivement, on a un tuyau qui est un peu plus rigide que l'aorte native. Et donc, étant un peu plus rigide, elle va moins absorber le volume de sang qui est éjecté à chaque systole par le ventricule gauche. Et donc, ça va faire que la pression pulsée, la différence entre la systolique et la diastolique, entre la pression au moment où le sang est éjecté et juste avant qu'il soit éjecté, la différence va être un petit peu plus grande peut-être. Et donc, peut-être est-ce ça auquel il fait allusion. Mais ça, on ne pense pas que ce soit suffisant pour perturber et favoriser la dissection de l'aorte descendante. Si ce n'est pas ça, il faut compléter la question. Y a-t-il des études en perspective sur l'opportunité d'une opération préventive du prolapsus mitral sans qu'il y ait de régurgitation importante pour éviter la fibrose myocardique et de se faire réduire le risque d'anévrisme? Le risque d'arythmie? Oui, pardon. D'arythmie. D'accord. Alors, donc là, on passe sur une autre pathologie qui est la pathologie mitrale. Et donc, je vous ai dit que la mitrale, c'était une valve qui avait deux feuillets, donc qui sont comme ça, comme les deux mains, qui sont l'un contre l'autre et qui vont être repoussés un petit peu en arrière quand la pression va monter en avant. Là, c'est le ventricule gauche qui est en haut et l'oreille gauche qui est en bas. Et que ces valves mitrales, elles sont retenues dans leur position par des cordages et qui sont insérés sur des piliers dans le ventricule gauche. Donc voilà, elles font comme ça. Et donc, le prolapsus, qui est la complication qu'on peut voir dans le syndrome de Marfan, c'est une valve, une ou deux valves qui reculent parce qu'elle n'est plus assez tenue. Et donc, quand c'est les deux, ce qui est généralement le cas dans le syndrome de Marfan, c'est un prolapsus bivalvulaire, ça recule, mais il y a encore un petit peu de contact, mais il est moins fort. Donc, ça fuit un peu. Donc, généralement, ça fuit un peu, mais ça ne fuit pas beaucoup. Alors, accompagnant ce prolapsus, on s'est rendu compte qu'il y avait des anomalies qui étaient en dehors de la valve elle-même. Il y a des anomalies qui sont observées sur les piliers et les cordages, mais aussi sur le muscle. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une zone, probablement, qui était la partie inférolatérale du ventricule gauche, et qui est toute basique, qui était probablement un peu modifiée par le prolapsus, peut-être parce que les cordages qui retiennent les valves, frottent dessus. Et donc, ce n'est pas la fuite qui est la cause de cette fibrose, si on croit à cette hypothèse-là, c'est le fait qu'il y ait le prolapsus qui va entraîner une altération de la paroi, et c'est la fibrose de cette paroi qui va favoriser probablement les arythmies. Du moins, c'est ce qu'on imagine aujourd'hui. Et donc, si ça favorise les arythmies, c'est plutôt le prolapsus qui est en cause plutôt que la fuite. Maintenant, d'aller opérer quelqu'un de façon préventive pour éviter les arythmies, c'est vraiment lourd. Parce qu'une chirurgie cardiaque, ce n'est quand même pas tout à fait anodin, même si c'est bien maîtrisé, et il faut avoir une bonne raison pour la faire. Donc, ce n'est pas une raison suffisante. On a une autre question. Combien d'opérations peuvent se faire sur une aorte et peut-elle être totalement remplacée? Alors oui, la réponse est oui. Alors, il y a combien d'opérations? Alors, on a vu la partie initiale de l'aorte. On a vu que la crosse pouvait être remplacée également. Ensuite, on peut remplacer l'aorte descendante jusqu'à la bifurcation. Après, il y a différentes techniques. L'aorte ascendante, c'est de la chirurgie à ciel ouvert. Il n'y a pas tellement d'alternatives.
la crosse également dans l'immense majorité des cas, et leur descendante, on a vu qu'il y avait soit la chirurgie à ciel ouvert où on remplaçait le tissu, soit on pouvait mettre des stents. Et ensuite, il peut y avoir des combinaisons des deux, c'est-à-dire qu'on remplace une petite partie de l'aorte où on met un tissu solide, et puis une autre partie de l'aorte sur laquelle on met un tissu solide, et entre les deux, on met un stent. Ce qui fait qu'on a une intervention qui est plus simple, qui est plus limitée, etc. Donc, il y a beaucoup d'interventions qui sont possibles, et ça devient très complexe, et on ne veut pas faire tous les cas possibles, mais la réponse est oui, il est possible de remplacer l'ensemble de l'aorte. Et le nombre d'interventions, je ne sais pas, beaucoup, mais bon. Une autre question est, y a-t-il un risque important de faire un anévrisme de l'aorte descendante après l'opération de l'aorte ascendante? Et sinon, on pourrait se dire qu'après un Tyrone David, finalement, on est presque tranquille. Ouais, c'est l'idée, c'est qu'après un Tyrone David, on est tranquille. Le risque de la dissection de la descendante n'est quand même pas très élevé dans la population des Marfans. Donc, c'est ce que je voulais vous dire dans la diapositive de conclusion où je disais que c'était monotone sur le plan médical. Il ne se passe pas grand-chose. Donc oui, quand on est opéré de l'aorte ascendante, normalement, on est tranquille. Et on n'est pas 100% tranquille. Enfin, je vous dirais, on n'est jamais 100% tranquille dans la vie, mais là non plus. Quelqu'un nous demande aussi s'il y a une équivalence entre les inhibiteurs calciques et les bêta-bloquants. Alors, oui, il peut y avoir des équivalences entre les inhibiteurs calciques et les bêta-bloquants. C'est-à-dire que les bêta-bloquants ont été donnés initialement dans le syndrome de Marfan parce que ça diminue la fréquence cardiaque d'une part, et d'autre part, ça diminue la vitesse avec laquelle le sang est éjecté par le cœur. C'est un effet qu'on dit inotrope négatif, ça diminue la force de contraction du cœur. Donc le sang est éjecté moins fort, moins rapidement, donc la distension de l'aorte est moins brutale, et donc on pense grâce à ça que ça économise un peu l'aorte. Deuxième mécanisme par lequel ça économise l'aorte, ben c'est que si vous battez à 40 par minute au lieu de battre à 120 par minute, ben vous distendez votre aorte trois fois moins souvent, donc vous l'économisez. Donc, ça, c'est le rationnel du traitement bêta-bloquant dans le syndrome de Marfan. Autre rationnel, ça baisse la fréquence cardiaque au cours de l'effort beaucoup plus. Et enfin, dernier rationnel, ça baisse la tension artérielle, qui est l'élément qui va avoir tendance à distendre l'aorte, puisque c'est la pression à l'intérieur du vaisseau. Donc, tout ça, on peut le retrouver avec certains inhibiteurs calciques, qui sont des inhibiteurs calciques ralentisseurs, le TIDM ou l'isoptine, qui vont avoir comme effet de diminuer un peu la force de contraction du cœur, de ralentir le cœur et de baisser la tension artérielle. Donc oui, il y a des parallèles entre les inhibiteurs calciques et les bêta-bloquants. Après, il y a une polémique sur les inhibiteurs calciques dans le syndrome de Marfan spécifiquement, mais on ne peut pas rentrer là-dedans. J'avais aussi reçu une question d'un patient qui s'interrogeait de pourquoi, d'une année à l'autre, les variations d'augmentation du diamètre de l'aorte n'étaient pas les mêmes. Par exemple, une année, il va augmenter de 3 mm, puis plus rien, puis de nouveau 1 mm. Alors, je vais peut-être vous remettre ma diapo avec le diamètre aortique, puisqu'en fait, ça revient à comment est-ce qu'on mesure le diamètre aortique et qu'est-ce qu'on trouve. Alors, si je la retrouve, je vous la montre. Lui s'interrogeait sur qu'est-ce qui provoque la variation. Ah, et ben, c'est surtout des erreurs de mesure, c'est pour ça que je voulais vous montrer la diapo. La première cause de variation importante du diamètre aortique est probablement là. Alors, attendez, écran 1, partagé, boum, voilà. Est-ce que vous voyez le diamètre de l'aorte? Voilà, donc vous voyez l'image du milieu ici. L'image du milieu, vous voyez que c'est pas très facile de mesurer un diamètre là-dessus. Si on mettait tous les gens qui écoutent en leur disant mesurer un diamètre, on va probablement trouver des diamètres qui diffèrent de 2-3 mm d'une personne à l'autre. Et même quand c'est des gens qui ont l'habitude de le faire, l'étude a été faite, d'un centre à l'autre, on a des différences qui peuvent prendre 3 à 5 mm. Donc il y a vraiment. Certains font comme ci, certains font comme ça, etc. Donc la première règle, c'est d'aller voir toujours la même personne, d'avoir la même méthode de mesure, pour que ce soit fiable, d'avoir quelqu'un qui mesure bien, bien sûr. Et puis, la deuxième chose, c'est que si ça fait 0,00 puis 3 mm, c'est probablement que ça a fait 1 mm par an pendant 3 ans, parce que vous voyez qu'on n'est pas à 1 mm près quand on va mesurer. Après, qu'est-ce qui va favoriser la dilatation de l'aorte? Eh bien, le temps, le fait d'avoir des pressions artérielles élevées, donc on essaie d'éviter l'hypertension et on traite l'hypertension. Le
façon agressive. Et puis après, éventuellement, si le diamètre aortique augmente, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas une zone de l'aorte qui est particulièrement fragilisée et que cette zone de l'aorte va se dilater plus rapidement. Et donc, que c'est une raison pour laquelle on propose une intervention chirurgicale quand le diamètre de l'aorte augmente de plus d'une certaine valeur au cours d'une année, quand on a l'impression que la dilatation est plus rapide tout d'un coup. Une autre question. Est-ce que lorsqu'un anévrisme au niveau des racines des artères coronaires apparaît après un bental, à combien il faut réintervenir? Alors, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que vous avez vu que dans l'intervention de Bental, on réimplantait les artères coronaires, et donc on les réimplante avec une technique dite du bouton. C'est-à-dire qu'on garde une petite partie de la paroi aortique et on va recoudre autour de l'artère coronaire dans le tube en Dacron, voilà, comme si c'était un bouton. Voilà. Et donc, si ça se dilate, c'est généralement parce qu'il y a un point qui a lâché, ou bien qu'il y a une petite fuite entre deux points, et qu'il y a ce qu'on appelle un faux anévrisme. Donc ça, ça peut être une raison pour y intervenir, mais c'est compliqué, il faut vraiment voir au cas par cas, parce que généralement, ça ne bouge pas. C'est-à-dire que quand on fait une intervention chirurgicale, il y a une cicatrisation qui se fait, il y a une inflammation des tissus qui est tout autour, là, qui est responsable du fait qu'il y a un peu de liquide autour du tube, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc tout ça fait que, en fait, il y a de la fibrose et que ça bouge assez peu, et que ça ne peut plus tellement se dilater. Et donc, même s'il y a un petit truc, généralement, ça ne bouge pas. Ça surveille et ça ne bouge pas trop. Après, la racine, l'origine de la coronaire qui se dilate, c'est rare. Je ne me souviens pas d'en avoir vu. Une autre question est, quels sont les risques à vivre avec une aorte totalement dilatée? Disséquée, pardon. Une aorte totalement disséquée. Alors, ben, les risques, ils sont a priori immenses, puisque si l'aorte est totalement disséquée, ça veut dire qu'on a aussi l'aorte ascendante qui est disséqué, généralement, on l'opère, cette aorte-là, parce qu'on sait qu'il y a un risque spontané qui est très grand et qui est bien supérieur au risque de la chirurgie. Donc, ça m'étonnerait qu'on reste avec une aorte complètement disséquée. On a un tube sur l'aorte ascendante et éventuellement, on a le reste de l'aorte qui est disséqué, puisqu'on sait que ça peut progresser jusqu'à la bifurcation aortique. Et donc là, le risque, c'est le risque de fragilisation de l'aorte sur son ensemble, donc de dilatation de l'aorte. Et donc, ce qu'il faut, c'est surveiller l'aorte pour voir s'il y a un risque ou pas de complications. Et en fonction de l'évolution du diamètre de l'aorte, il faudra ou non faire une intervention chirurgicale. Pour limiter ce risque, il est important que la tension artérielle soit bien contrôlée. Donc, on est assez agressif dans le traitement d'hypertension et même pour faire baisser la tension chez les gens, pour que la pression à l'intérieur de ce vaisseau dont la paroi est fragilisée soit minimale et la dilatation limitée autant que possible. Donc, le risque, c'est la dilatation. On a également eu une question de pourquoi a-t-on une douleur aux deux omoplates très souvent suite à une chirurgie cardiaque? Alors là, ça c'est une colle. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait une chirurgie cardiaque? Quand on fait une chirurgie cardiaque, on ouvre le thorax et on écarte un peu les côtes, donc ça fait un peu mal dans le dos, éventuellement. Et donc ça doit être la conséquence de ça qui fait qu'on a des douleurs dans les omoplates. Mais je suis honnêtement, je ne sais pas très bien répondre à cette question-là. Joker. On nous Et c'est pas demande très fréquent, également. hein, parce que je n'en ai pas beaucoup que je suis qui ait des douleurs dans les deux omoplates. Je n'en sais pas plus. Quels sont les avantages et inconvénients de l'intervention de Tyrone David par rapport à l'intervention du docteur Lansac? Ah, vaste question. Alors, c'est à eux qu'il faudrait poser la question, parce que c'est des problèmes de chirurgien. Du point de vue du patient et du point de vue du médecin. Donc, vous avez vu, la technique n'est pas tout à fait la même. Donc, de ce que j'ai compris dans l'intervention de Lansac, il faut descendre assez bas dans la dissociation des tissus pour pouvoir mettre l'anneau bas. Et c'est une des difficultés de l'affaire. L'intervention de Tyrone David a l'avantage d'être plus standardisée, mais je crois que l'intervention de Lansac l'est aussi pas mal. Voilà. Après, on a plus d'expérience probablement avec l'intervention de Tyrone David, mais l'intervention de Tyrone David, elle évolue dans le temps. Donc, il est très difficile de répondre à cette question parce que on n'a probablement pas beaucoup de données solides pour faire la comparaison d'un groupe versus l'autre.
Et on me demande s'il y a des nouvelles perspectives de nouveaux traitements complémentaires pour prévenir la dilatation. Il y a eu les histoires avec l'Losartan qui était un grand espoir suite à un modèle animal dans lequel ça faisait beaucoup de choses. Puis on a été très déçus parce que ça ne faisait pas grand-chose chez l'homme. Donc il y a d'autres pistes qui sont testées chez les animaux, et qu'il y a peut-être des études qui commenceront. Mais pour le moment, il y a des espoirs, oui, bien sûr, il y a des espoirs. Mais il n'y a pas quelque chose qui va sortir demain matin, ou du moins que je connaisse. Et quid du baclofène sur la dilatation aortique? Alors, ça fait référence à un papier. Donc le baclofène, c'est un médicament. Donc alors, pourquoi est-ce qu'on parle du baclofène? C'est compliqué à vous expliquer comme ça, à froid, mais je vais me lancer. Donc, c'est une étude qui a été faite en prenant des parois aortiques de souris qui avaient un certain nombre de marfans et des parois aortiques de personnes qui avaient un certain nombre de marfans, sur lesquelles on a regardé quels étaient les gènes qui étaient exprimés plus que la normale. Et donc on a comparé et on a vu qu'il y avait certains gènes qui étaient surexprimés. Les gènes, c'était qui codent pour des protéines, donc il y a certaines protéines, à la limite, qui sont en plus grande quantité. Et donc les gènes surexprimés, généralement, ils suivent, ils sont dans un groupe parce qu'ils ont un effet. Par exemple, réparer le tissu qui a été abîmé, et donc vous avez toute une série de gènes qui travaillent ensemble pour faire des protéines qui vont travailler ensemble pour réparer le tissu. Donc, à partir de ces études de production de synthèse des gènes, enfin de synthèse, oui, de transcription des gènes dans ces tissus aortiques, qui ont été comparés avec des tissus non pathologiques, on a pu montrer qu'il y avait certaines voies qui étaient activées. Les médicaments, ils vont agir en bloquant certaines voies. Par exemple, les anti-inflammatoires, ils vont avoir une action anti-inflammatoire, bloquer la voie de l'inflammation. Et puis, vous avez les vasodilatateurs, ils vont bloquer la vasoconstriction. Enfin, vous avez des voies qui peuvent être favorisées dans certains cas. Et donc là, on a trouvé que certaines voies étaient activées et que les médicaments ensuite, ce qui se passe après, c'est qu'on fait un screening en cherchant dans les bases de données, quels sont les médicaments qui vont bloquer les gènes qui sont surexprimés. Et on se dit, voilà, si on bloque les gènes qui sont surexprimés, on va peut-être limiter la dilatation de l'aorte. Et donc, c'est cette molécule-là qui a été trouvée et qui correspondait à ça, et qui semble éventuellement pouvoir limiter la dilatation de l'aorte dans le temps. Je ne sais pas si c'est très clair, mais au moins, voilà, je réponds un peu. J'ai compris. Bon, bah, Je ne sais pas si tout le monde a compris hein, dans les participants, mais ça me paraît clair. On a reçu une dernière question qui est: quels sont les risques opératoires pour un rajout à une endoprothèse? quels sont les risques, excusez-moi, Opératoire. de Risque l'endoprothèse, opératoire du rajout à une endoprothèse. du rajout à une endoprothèse? Ce qui est écrit. Alors, les risques opératoires, je ne comprends pas très bien la question. Est-ce que vous La pouvez personne me précisait. reformuler? Et quelqu'un me demande si un marfan peut être donneur d'organes du fait de la fragilité de ses tissus en cas de mort encéphalique. Ah, ben, je ne sais pas répondre à cette question. Je ne sais pas répondre à cette question. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Mais je ne sais pas, je suis pas sûr de moi. On reçoit plusieurs questions. Est-ce qu'il y a des médicaments qu'il ne faut pas prendre comme on est quand on est Marfan? J'ai lu un article sur les fluoroquinolones qui aggraveraient la dilatation, par exemple. Alors, même l'Agence nationale a fait un papier là-dessus pour dire qu'il fallait éviter, enfin, un warning, comme on dit en bon français, pour dire que les quinolones étaient dangereuses. Alors, je suis un peu en retrait sur cette position-là, personnellement, parce que ce qui a été fait, c'est des études épidémiologiques dans lesquelles, au niveau d'un pays,
On a regardé s'il y avait une association entre la prise de quinolone et la survenue d'un anévrisme ou d'une dissection. Et donc, ce qui a été trouvé, c'est que les gens qui prenaient le quinolone avaient un taux de découverte d'anévrisme qui était plus important que ceux qui ne prenaient pas de quinolone, mais que ce n'était pas vrai pour les dissections. Alors, ça a été fait au niveau de différents pays, et les choses ont été trouvées dans différentes études. Donc, du coup, c'est un peu concordant. Donc, du coup, ça laisse penser que peut-être les quinolones vont augmenter le risque de survenue d'un anévrisme. Ceci étant, il y a des biais majeurs. Les biais majeurs, c'est que quand vous faites, quand vous prenez un traitement antibiotique, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il vous arrive quelque chose. Et quand il vous arrive quelque chose, vous faites des examens. Et quand vous faites des examens, on trouve des choses. Et par exemple, un anévrisme, qui autrement n'est pas trouvé, parce que l'anévrisme, il ne fait pas parler de lui, il est complètement asymptomatique. Donc, du coup, l'association qui est trouvée, elle est possiblement, enfin, du moins, il faut avoir un indice de suspicion fort sur le fait que c'est peut-être un peu le hasard. Et il y a un autre élément qui est troublant, c'est que si vraiment ça fragilisait la paroi aortique, eh ben, on s'attendrait à ce que ça donne des dissections. Ce n'est pas clair que ça en donne. Et vous pensez que la durée du traitement antibiotique pendant 8 jours, ça suffit pour faire un anévrisme découvert dans les 8 jours? Voilà, moi, j'ai un peu de mal avec tout ça, et donc c'est la raison pour laquelle je ne suis pas très convaincu. Ceci étant, il y a un warning officiel disant que les quinolones sont à éviter chez les gens qui ont des anévrismes, et peut-être que, quoi qu'on en dise et que tout ce que je viens de vous dire, le plus prudent, c'est de faire comme si on avait la réponse et qu'on disait que c'est plus prudent de trouver autre chose. Et donc, on essaye un autre traitement. Une dernière question, on va s'arrêter parce qu'il est 19h. On a eu la reformulation de la question précédente, qui était donc une personne qui a eu une endoprothèse et qui fait une dilatation en dessous, pour laquelle on lui parle de réintervention pour une nouvelle prothèse. Et donc, quels sont les risques? Alors, dans des cas particuliers, c'est difficile d'avoir un avis très précis parce que ça va dépendre de l'endroit, ça va dépendre de beaucoup de choses, de l'état général du patient, du chirurgien, de la prothèse qu'on veut mettre, de si c'est sur une dissection, ce qui est probable, de est-ce qu'il y a une zone d'atterrissage, là, ce que je vous disais, des endroits qui sont solides sur lesquels on peut fixer les prothèses ou pas, s'il y a des artères qui partent au milieu, ça complique un peu la procédure, si c'est une zone qui correspond à l'artère d'Adamkiewicz, qui est cette artère qui va vasculariser la moelle épinière, et si on ne fait pas attention à elle, on risque d'avoir des paralysies des membres inférieurs. Donc voilà, il y a beaucoup de risques potentiels, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous là, il y a beaucoup de risques comme dans toute intervention, mais c'est difficile de donner une valeur comme ça. Donc, quelquefois c'est très simple, mais il y a des possibilités de risques. J'ai du mal à répondre mieux que ça. Mieux en parler au chirurgien. Voilà. À l'opériste. Et donc, parlez-en donc à votre docteur. D'accord. Bah, merci, professeur Jandot, pour cette intervention et pour la réponse aux nombreuses questions. Merci à vous. Et le webinaire sera disponible en replay pour ceux qui veulent le revoir dans les prochains jours. Donc, bonne soirée.